Bon les amis, on récupère les données de ce drone, on le détruit et on se barre en vitesse. GTA. Pas droite. Oh putain. Trazeux. On s'arrête pas, on continue. Hein. On va tirer quand même le GTA. Ah, il a pas tiré, Grano. Ah bah c'est pas Fred. French, t'as vu le compound là que j'ai indiqué sur la carte, ok. Juste avant la rivière. Ouais, c'est ça. Iscure, t'as bien tes charges? Ah, on voit la fumée au loin. Ah, celui-là, fumée. Ran. Oui. T'as ton fusil longue portée là? T'as quoi là? Ken 417 avec une fois 10. Sur le campand où on va se trouver là, tu me trouves un point haut et tu nous couvres. Tac à gauche, non? Sur le chemin. Okay. Ralenti là, qu'on puisse voir s'il y a de la Oui, ralenti, ils sont juste là, à côté. Non, il a lancé. Tire derrière, Hunter, tire. Oh. Voilà, on fait comme tout à l'heure, on rejoint, enfin comme tout à l'heure, en mieux. On meurt quoi. On rejoint le compound. Ran, tu me trouves un point haut pour observer la zone du drone, pour nous couvrir. Et Dark, tu me récupères les informations et après, Iscur détruira le drone. Ça marche. Et nous, pendant que Dark récupère les informations, on protège la zone. Zunga, si par exemple au niveau des bâtiments, on a un visu sur le drone, tu me trouves une position avec ta batteuse là et tu te mets avec Ran. On peut éviter de traverser la rivière? On peut passer par le petit pont s'il vous plaît? Pas de pont, hein, donc. Ah Fred, il a un passif avec les... Ah, il y a un pont, hein. Ouais, un petit pont là si vous voulez aller à pied. J'ai un passif à peu près avec tout en fait dans le jeu. Fred, il a mangé un fruit du démon en fait. Je pense, ouais. C'est un truc de dingue. C'est le pont de la rivière, quoi. Je suis bugué. Non, je déconne. Alors, par contre, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était blessé en montant. Alors, c'est qui était avant moi? Ah, attends. Ah, c'est toi là. Je crois que c'est là. C'est Dark. Il varie pas pourtant mon personnage. Xunga, tu vas me reprendre ton groupe, donc il y avait qui avec toi? Il y avait Nansom Grano, il y avait Fred. French. Et il y avait qui avec toi d'autre? Iscure. Fred. Non, Iscure est avec moi. Fred, French. Dark. Je suis devant la passerelle. Et Dark, voilà. C'est juste pour rejoindre le campand et on voit la fumée là qui dépasse du drone. Mm-hmm. Allez, on traverse. Fred, tu me fais plaisir de marcher sur le pont. Merci. Et vas-y, Gemini, on suit. Est-ce que tu fermes la marche? Oui. Ok. C'est bon. Il y a le bâtiment qui est un peu en hauteur, mais je sais pas s'il y en a un plus près du drone. On va rentrer dans le campand là qui est d'ouest là, il doit avoir une entrée là, bah t'es dessus là. Qu'est-ce qui est là au niveau de l'entrée là? C'est Ran. Vas-y, on rentre dans le campand du Ran là. Je rêve où Ran est rentré en premier avec son fusil longue portée. Non, tu rêves pas. Et le médic deuxième. Vas-y, merci Fan. Ah merde, y'a pas de point haut. Donc le seul point haut qu'on a, c'est les bâtiments qui sont à notre nord, là. Ran, oui. Avec Xunga, vous allez investir les bâtiments qui sont au nord, là. J'espère que vous aurez un visu. Ok. Vous me dites ce que vous voyez, si vous voyez le drone ou pas, sinon on va falloir qu'on se déplace. Je vais juste checker si on voit le drone. Ah merde, ils verront pas. Ils verront pas.
Oh, ouais, je le vois d'ici, hein. Ouais, non, mais des bâtiments où je leur ai dit d'aller, ils verront pas. Ouais, ça peut être pas mal d'ici là. Ran, Xunga, ça m'étonnerait que vous les voyez dans du bâtiment. Vous allez venir sur notre position. Vous allez avoir un visu. Ouais, au-dessus, on était en hauteur, mais c'est de l'autre côté de la petite crête. Du coup, Fred, French, pardon, c'est toi qui vas gérer ton groupe au niveau de l'approche. Mm-hmm. Donc il y a Dark et Fred avec toi. Dark, tu te mets au milieu, hein. Ouais. Remarque, tu vas peut-être venir avec moi dans mon groupe. Gemini, tu vas aller avec French dans le groupe de tête. Ils sont où? Je suis là. Il est là. Ah, je me mets avec. Et Dark, tu restes avec nous. Yes. Ok. Vous avez pas de visu, y a pas de patrouille, y'a rien? Rien du tout. Négatif. Rien pour l'instant. Bonjour. Bon. Là, vous êtes. Vous avez peut-être un visu plus intéressant. Peut-être que Xunga, tu peux prendre appui sur les rochers devant. Et Ran, pareil. Mais on a visu sur le drone là d'ici. Ok. Vas-y, Fred. French, pardon, tu ouvres la marche, on vous suit. Ok. Oliver. Oui, je suis derrière toi. Tu vas rester avec Xunga et Ran. Ok. Si jamais on est prêt à partir, on aura besoin de toi pour nous soigner. Peut-être okay. Vous rapprocher. Par contre, chez Kevo aussi, ça peut arriver par derrière. Qu'est-ce qui est parti en tête là? French. Ok, faut coller, hein, faut coller French, Dark et. Non, Dark, t'es avec moi, Fred et Gemini. Donc y'a qui Moi je suis là, Dark. Iskur, tu viens avec moi? Alors, aussi. C'est bon, Ran et Xunga d'ici? Ouais. Ok. On y va. Xunga, c'est peut-être un peu loin pour toi, non? Je peux faire du barrage, mais je serai pas précis. Viens, rapproche-toi de nous là où il y a French, là c'est pas mal. Oliver, pareil, colle Xunga pour coller sur nous. Ouais, on l'a bien en visu d'ici. Ouais, c'est pour ça qu'on va le mettre par là. Ok, je colle Xunga. Et petit muret à droite. C'est qui le. C'est Dark le mécano? Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, Dark, civil, plein nord. Ok, on va scruter la zone. Et après, on va t'envoyer au charbon. Ok. Donc, regardez si vous voyez du monde autour. Ouvrez l'œil. Bon, je vois personne, moi. Vas-y Dark, tu vas, tu récupères les données. Yes. On t'appuie. Checker est bien à 360 hein, la zone. Hein. Vous avez jeté un derrière J'ai des packs 330, deux packs armés. Distance à peu près 600 mètres. Derrière le muret là on les voit plus là. D'accord. On garde un œil sur eux. Je suis en 330 là. 330, ils étaient au niveau du rocher et maintenant ils sont dans le creux. Aussi, Ils sont derrière du. Je sais pas ce que c'est comme fleur, du coton. Presque zéro, visu. French, cap zéro. Regardez pas tous au même endroit. Hein. Ah ça y est, on les voit. Ouais, un t-shirt bleu en deuxième. Récupération en cours. Moi aussi Dark. Ah ouais, visu. Tu me les gardes en jour, Ran?
Affirme. Et avec Fred et Ran, vous les gardez en joue, les autres vous checkez les alentours. Une dizaine, une quinzaine de packs. Oh putain, quinzaine. Ok, Gemini. Les alliés par hasard. Gemini, tu check avec Oliver. Affirme, José. Où sont les alliés? Ouf. Je crois que c'est allié. Ok. Ils sont de l'autre côté de l'arrière. Non, c'est pas allié du tout. Non, je les vois. C'est pas allié du tout. Hein. Et ils sont beaucoup, effectivement. J'ai les arbres de. Au 40, ouais. Il y en a beaucoup, ouais. Ah ouais, pas allié, autant pour moi. Beaucoup, c'est une oui. Et ils arrivent par ici, je pense. Hein. 50%. Du coup, il y a Oliver et Gemini ouais. qui les check là, d'accord? Ouais, mais d'ici. Non, mais ils vont passer juste derrière la butte, je vais pas les voir. Là. Donc, on prend dans le dos. C'est où Oliver là? C'est là Oliver là? Oui, c'est moi. Ils sont où? 450. Ok, ils viennent pas vers nous, ils s'en vont là. Non, ils viennent pas vers nous. Ok, laisse-les là pour l'instant. Mais il y a du monde. Ouais, visu. Fred. Fred. Je rejoindrai pas derrière aussi pour. Ouais, vas-y, Gemini, va à côté d'Oliver, Gemini. Ouais, voilà. Ok, tu pour l'instant vous tirez pas, y a pas de raison, ils s'en vont. T'es comment Dark là? T'es à combien? 80%. C'est trop calme. Ouais. Une position de repli au Tipex? Alors, en plus, c'est les véhicules, le compound qu'on vient de quitter. C'est loin tout ça. Eh ouais, mais bon. 90. C'est la rivière. Les deux packs isolés en 330, ils viennent vers attention, nous. Attention, il y a plein ouest. Cap 260. Plein ouest. Ran, tu me check plein ouest. Affirme. Tu les as, Dungar, vas-y. Ok, colle sur nous vite, Dark. Y'a du monde qui arrive à ton ouest. Iscur, on traite d'abord les mecs s'ils viennent sur nous et après on ira faire péter le drone. Bien pris. Pour information, on a du monde qui arrive à l'ouest de notre position. Et donc y'a Oliver qui a du monde qui arrive au sud. Et à l'est, y'avait pas du monde ou nord-est tout à l'heure, Ran? Y avait 330, il y avait deux packs. D'accord. Ils viennent vers nous. Vous les avez toujours en visu? Ah non, 330. Oui, non, ils sont plus que deux, 330. Hein. Au vu de leur progression, ils se dirigent vers le drone. Avec vous. Je suis avec vous. Qui c'est qui est devant moi, là? Avec ses jumelles, là, en plein milieu de la pampa. Tipex. Non, je suis couché, moi. Non, c'est moi, j'ai essayé juste de déployer le bipied, je me suis trompé de touche. Ok. Ok, on fait un 360. Checker, je veux quelqu'un qui check au nord. J'y suis. Par contre, j'ai perdu le PAX. Ah, si, je l'ai, c'est bon. Zunga, ils sont où là, les mecs? Là, j'ai pas pu. Il y a un PAX en 225. Ok, visu. Ils arrivent 270 en ligne. Ouais, j'ai un visu sur eux. Ah, ils arrivent, ils sont en ligne. 20-25. Ah. Allez, on tire si vous prenez du tir. Ah, tire. Ils sont cassés les deux en 270. Wow, je n'ai pris une belle. 269 là, dans les murs. Il y en a 5 autres à l'arrière. Ok. Oliver, j'ai besoin de toi là. J'en ai pris une belle. J'y arrive. Ils prennent pas leur balle. Hein. Euh, 270, ils sont traités, c'est je bon. Crois. Tous, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont reculés. Ouais. Au 320, j'en ai tué deux. Ok, bah ça c'était les miens, ouais. La civile là qui est encore là.
T'es sûr? Ils sont traités ou pas les mecs là-bas là? Vous avez tous traité? Je dirais que non. Ça bouge oui. Plus, mais on peut pas être sûr. Ah merde. Ouais. Oh là là. Ceux qui sont au sud, ils s'éparpillent un peu. Ils seraient derrière le mouvement de terrain en fait. Ils ont ça pas été alertés là, ceux derrière? Négatif. Tout ce qui est au nord, c'est calme. Iskur, t'es là? Je check tout le bac. Iskur? Ouais. Tu vas aller poser une charge sur le drone et tu reviens rapidement. Fred, tu me prends la position qu'avait Iskur. Pour l'instant, on tire pas dessus. Il surveillait nord-est. Non, non, tire pas, Oliver. Si ils viennent pas vers nous, tire pas. Pas de danger. Bah, il s'approche okay. De plus en plus, mais. Ok, Iskur est parti poser la charge. Attends, j'arrive, Oliver. Oh. Ok, visu. Il rebrouche chemin. Ouais. Il y en a un peu qui se rebrouche chemin, il y en a d'autres qui vont plus vers notre droite. Ah ouais, ils sont à droite, il y en a qui montent à droite. Ouais, voilà, okay, j'aime okay, pas ouais, ça va pas tarder, ça va pas tarder. Ouais, on commence à s'y Fred, je pense qu'il faudrait... oui. Fred, tu alors check le sud, va à côté d'Oliver et ça vient même ici, là. Ils arrivent, en fait, ils vont arriver. Ils sont en cap entre 120 et 180, là. Merde, il m'a pas su. D'accord, vous les checkez et ils sont toujours en train de se rapprocher là. Pour l'instant, il y en a qui bougent pas, après il y en a qui sont partis vers notre droite, on n'a okay. Pas de visu. On attend que qu'on fasse péter le drone, d'accord. À droite, je les vois. Il y en a mais... qui se couchent, qui nous visent. Si vous êtes repéré, vous tirez. Hein. 180. Charge posée. Ok, est-ce qu'il recolle vite sur nous? Est-ce qu'il revient? On a du monde dans notre dos. Au moins 10-15 packs. C'est une bande toute neuve qui les attend. C'est quoi là? Il y a un civil juste à côté de nous là? Ouais, il y a un civil, ouais. Il m'a fait. J'ai envie de lui mettre une. C'est bon, Iskur est revenu. Ouais. T'as mis combien de secondes? Je suis là. J'ai pas mis de militaire. D'accord. Je peux le déclencher. Là. Vas-y, déclenche. Ok. Oh la belle rouge. Boum. Ok. Bon, maintenant, notre objectif, c'est de rentrer à la base. Ouais. Et ça. Du coup, c'est comment ici? C'est nombreux. Okay. Ouais. Ok. On se met en ligne oh. Face sud-sud-est. Et il y a quelqu'un qui nous tire dessus, mais je sais pas. Ouais. Il y a du monde derrière. Au niveau de la rivière. Feu, feu, feu. Ouais. Non, tu sortiras pas de ce bosquet, mon gars. Barrez-vous. Recharge.
Il y a des petits frises des fois. Alors c'est comment? C'est bon? J'ai plus de visu. Okay. Pour l'instant plus de visu. Personne ne tire dessus. Il y en a peut-être encore derrière le mouvement de terrain en face. Ouais, c'est possible. Okay. Ouais. On va regagner le campan. Xunga, tu me reprends ton groupe? Donc, je sais pas si tout le monde a entendu, on va regagner le campagne et le véhicule. Donc Xunga va ouvrir la marche et nous on vous suit derrière. Xunga avec son groupe bien sûr. Allez c'est parti, qui c'est qui est là? French, t'es là? Ouais, je suis là. Oh, je te suis. Et Gemini, t'ouvre la marche aussi, on les suit. Allez. Skur, tu fermes? Ouais. Ok. Et Oliver, tu me trouves une place entre tout le monde là. Ouais. Bien. Ok, je suis au 20. Allez, Fred, on décroche. Tu montes en dernier, préviens. Iskur, tu montes en dernier. Alors, si. C'est bon pour moi. Ok, RTB. Bon, Gemini, ça va? Ça va, ouais. Tu te vis comment tout ça là? De vivre ta mission? Bah, plutôt bien, je vois que ça tourne pas si mal maintenant, donc c'est cool, ouais. Ah, t'es sympa celle-là. Ouais, bah même celle de tout à l'heure en fait, j'aime bien ces grands moments calmes pendant 10, 20, 30 minutes, il se passe rien, et puis d'un coup ça claque de partout, ça résonne et tout, c'est. Ça, en fait, tout monde... C'est ça qui est immersif sur Arma, ces moments de calme, de progression, et après bah, ça pète. Bah voilà, moi je sais que c'est ce que j'aime aussi. J'ai vu 2-3 gars qui critiquaient la mission sur pareil sur le workshop qui disaient putain il se passe rien dans tes missions. Bah ouais, bah retourne jouer à Call of Duty. C'est sûr. Franchement, les sons sont quand même bien foutus dans ce jeu. Les modes aussi, enfin quand ça claquait tout à l'heure partout là, c'était ça résonne et tout. C'est franchement c'était stylé. On est déjà arrivé. Ah c'est une petite map. Ouais. Bon messieurs, vous allez faire pipi, on se retrouve à la salle de débriefing. Ok, je vais faire caca. Ah, toujours le mot pour verser. La France passe à l'action. Mais oui, c'est nous. C'est nous. Merci Xunga. Bon ben messieurs, bravo. Tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. On a été pris à partie par deux groupes, bah, environ d'une dizaine de rebelles. Enfin, une dizaine fois deux, donc une vingtaine de rebelles. Et on les a repérés, et du coup, on les a traités quand il fallait les traiter. Bravo à Dark d'avoir récupéré les informations du drone. D'ailleurs, il faudra que tu les donnes aux renseignements. Et bravo à Iskur d'avoir eu le sang-froid pour poser sa charge. Hein, heureusement qu'Iskur était présent ce soir. Sinon, je pense que... avec la charge, ça serait passé autrement. Non, merci à tous, c'était une bonne mission. Bravo à tous. Ouais, bravo.